Chers amis et camarades de la Fédéralitude internationale qui suivaient avec intérêt mon déplacement en Suisse durant cet été, nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 juillet 2017 et donc je suis bien en Suisse, vous voyez, ce pays dont la fête de l'indépendance aura bientôt lieu, c'est-à-dire dans 10 jours, le 1er août 2017. Aujourd'hui, je vais vous présenter la commune de Vernier. Voici donc la commune de Vernier, dont le tableau d'affichage est juste derrière moi, vous pouvez le voir. Donc vous avez un tableau avec les informations officielles. Là, ici, c'est bien la ville de Vernier. Et ces tableaux sont destinés aux citoyens qui habitent cette commune que vous pouvez découvrir sur le site vernier.ch. Je vais vous présenter tout à l'heure le bâtiment de la mairie. Je viens de m'entretenir avec le personnel de cet établissement. Vous voyez ici ce qui nous intéresse fondamentalement à la Fédéralitude, c'est comment est organisée une commune en Suisse. Voici donc des termes que je vais vous faire découvrir. Vous avez là la mairie, le conseil administratif, le conseil municipal. Et puis là, vous avez une plaque concernant la mairie. Voici la plaque mairie. Et donc nous allons entrer, hein, vous voyez là derrière moi cette allée, c'est elle qui mène au bâtiment de la mairie où j'étais déjà tout à l'heure, vous le voyez. Voilà, le bâtiment est au milieu, tout est paisible, calme, vous avez quelques citoyens qui y sont. Là, en train de se reposer, discuter tranquillement. Au fond, vous voyez le bar de la mairie, le café. Et on approche à l'entrée de la mairie. Rien de bien spécial. Il y a des annonces, les horaires, et puis c'est une porte automatique, vous voyez. Et en face de moi, je vous montre bien le bâtiment de la mairie. Très beau bâtiment en pierre. Le personnel est très accueillant, j'y étais tout à l'heure. Les abords sont fleuris. Et là, vous avez la deuxième entrée derrière moi. Nous allons entrer dans le vif du sujet maintenant. Voilà, Vernier est une commune, mais aussi une ville du canton de Genève. Ça veut dire quoi? Un canton, c'est comme une république. Et une commune, c'est donc une organisation là, avec une mairie, un conseil municipal, un conseil administratif. Et c'est aussi une ville qui compte au 31 mars 2017 35 408 habitants et est répartie sur 768 hectares, c'est-à-dire 7,68 km². Ça, c'est Vernier. Je voulais présenter, c'est vraiment à côté de Genève. Je me trouve là, à côté, à 3 voire 5 km, plutôt 5 km, du centre de Genève. En Suisse, vous le savez hein, déjà, ceux qui suivent la fédéralitude, c'est le peuple qui est souverain. Et au niveau municipal, cette souveraineté se matérialise toujours par le fait que le peuple est représenté dans les instances de base. Alors, au niveau communal, par exemple, dans le cas de la commune de Vernier, hein, vous voyez là, une ville pas commune, dans le cas de la ville de Vernier, c'est donc le conseil municipal qui est élu par les populations. Je vais vous en dire quelques mots. Le conseil municipal, c'est le pouvoir délibérant de la commune. Il se réunit en moyenne une fois par mois pour prendre des décisions qui seront ensuite exécutées par, nous le verrons plus loin, le conseil exécutif qu'ils appellent le conseil administratif. Les séances du conseil municipal sont publiques, c'est-à-dire que tout le monde peut y participer, mais attention, tout le monde n'a pas le droit d'expression. Il n'y a que les membres du conseil municipal et ceux du conseil administratif qui ont droit de parole. Le conseil municipal se réunit dans la salle du conseil municipal
Je vous ai dit une fois par mois, en principe, le mardi soir à 20h30. Les réunions du conseil municipal sont publiques, mais attention, dans certains cas, les délibérations peuvent se faire à huis clos. C'est le cas, par exemple, pour des délibérations spécifiques telles que les naturalisations. Le conseil municipal, qui serait une sorte de, si on allait à l'échelle plus grande, hein, cantonale ou fédérale, une sorte de comme son nom l'indique, de conseil, donc de parlement, eh bien, est le reflet vraiment de la vie démocratique de la commune. Si on prend le cas de la commune de Vernier, les partis représentés, les partis politiques représentés dans ce conseil municipal sont le PLR, les libéraux, il y a 4 membres, ils ont 4 sièges. Le MCG, 11 sièges. Le PS, 14 sièges. L'ADC, 3 sièges. Les Verts, 4 sièges. Et il y a un indépendant. Au total, on a 37 conseillers municipaux. Et dans la répartition des sièges, il y a deux administratifs. Les membres du conseil administratif se répartissent en différentes commissions de travail. Je ne vais pas les énumérer toutes ici, mais vous pouvez les trouver sur le site vernier.ch. Je vous l'ai déjà expliqué, au Conseil fédéral, les quatre premiers partis qui arrivent en tête lors des élections législatives, ce sont ces quatre premiers partis qui se répartissent les 4 postes de ministre du Conseil fédéral de la Suisse. Donc, ils ont souvent sur les 7 ministres, il y a 2, 2, 2 et 1, ça fait 7 qu'ils appellent, je pense, la règle magique, quelque chose comme ça. Eh bien, au conseil municipal, on a la même chose. Au niveau municipal, donc, je vous ai dit que le conseil municipal était le reflet de la démocratie avec les principaux partis. Et je pense que dans le cas de Vernier, il faut que je demande précision, puisque lors de mon rendez-vous avec le maire actuel, je pense que les 3 premiers partis vont se répartir les 3 postes du conseil administratif, d'où la deuxième partie de cette vidéo. Le conseil administratif est le pouvoir exécutif de la commune. Il est composé, dans le cas de Vernier, de 3 membres. Il y a un maire et 2 conseillers qui sont souvent, un occupe le poste de vice-président et l'autre de membres lorsqu'ils font la rotation annuelle. Le conseil administratif à Vernier est élu pour une période de 5 ans, c'est ce qu'ils appellent la législature. En l'occurrence, ceux qui sont actuellement en poste, nous sommes en 2017, ils ont été élus en 2015, au printemps 2015, et les prochaines élections auront lieu en 2020. Comme au niveau de la fédération, donc du gouvernement de la Suisse, hein, les 7 ministres qui gouvernent la Suisse, il y a rotation. Et bien, au niveau de la commune, on retrouve le même principe. Il y a aussi rotation des maires. Puisqu'à Vernier, il y a changement de maire chaque année, au 1er juin de chaque année, si on prend la revue locale Actu Vernier de mai 2017, voici les photographies des maires. En mai 2017, vous voyez la photo, le maire est au milieu, c'était Monsieur Pierre Ronget. Vous le voyez là sur la photo. En mai 2017. Si on prend la revue Actu Vernier de juin-juillet 2017, voici la configuration. Depuis le 1er juin 2017, la configuration a changé. Vous avez là le nouveau maire au milieu. C'est Monsieur Yvan Rochat que j'essaierai de contacter pour. Alors, vous n'avez vu que l'email qui sont publics, évidemment, que vous pouvez trouver sur le site et que les administrateurs, enfin, en tout cas, les administratifs m'ont donné et que j'essaierai de rencontrer pour le plaisir des membres de la fédéralitude. Voilà, c'est celui qui est au milieu là. Pour l'année 2017-18, donc 1er juin 2017 au 1er juin 2018, ou avant, au 30 mai, la répartition des fonctions est la suivante. Monsieur Yvan Rochat est le nouveau maire.
Monsieur Thierry Apotelos est le vice-président et Monsieur Pierre Ronchet est membre. Donc, le conseil administratif est l'organe exécutif hein, de la commune. Et vous avez vu qu'on a trois membres dans ce conseil administratif. Ils se répartissent les dicastères de la façon suivante. Alors, on va lire un peu. Monsieur Yvan Rocha est chargé de l'aménagement du territoire, du développement durable, de la mobilité, des bâtiments, de la construction, des constructions et de l'énergie, des écoles et des locations, du génie civil et du... Monsieur Thierry Apotelos est chargé de la cohésion sociale, de la petite enfance, de la police municipale, des pompiers et de la protection de la population, de l'informatique et de la téléphonie. Enfin, M. Pierre Ronget est chargé des finances, de la taxe professionnelle et des relations économiques, de l'administration, des ressources humaines, de l'état civil, de la communication, de la culture et des bibliothèques, des espaces verts, des voiries et cimetières, de la récupération et des équipements. C'est ce qu'on appelle en fait les dicastères. Ils sont répartis entre les trois membres du conseil administratif. On retrouve un peu ce schéma lorsqu'on regarde le gouvernement de la Suisse. Hein. Vous avez les sept ministres qui ont chacun un poste ministériel et ils vont juste, donc durant leur mandat, ils vont juste tourner au poste de président, mais en gardant leur dicastère, c'est-à-dire leur département ministériel. Pour vous faciliter la compréhension, ceux qui ont l'habitude du monde associatif, vous remarquerez que dans les associations, il y a le conseil administratif, eh bien, comme ici, il y a le conseil d'administration. Mais attention à ne pas nous tromper. Hein. Le conseil municipal serait plutôt l'équivalent du conseil d'administration dans une association, et le conseil administratif ici de Vernier serait l'équivalent de ce qu'on appelle souvent le bureau exécutif. Et d'ailleurs, on a souvent trois membres avec leurs adjoints hein, dans le cas des associations françaises. Donc, il faut savoir que les séances du conseil d'administration, puisque c'est l'organe exécutif qui exécute les décisions du conseil municipal, il doit se réunir de manière beaucoup plus régulière et ils se réunissent une fois par semaine dans la salle du conseil administratif et ils le font les mardis à 14h30. Les séances sont cette fois à huis clos, ils sont trois et travaillent à trois. Il faut savoir une chose très intéressante, le conseil administratif reçoit sur rendez-vous et exception que je voulais vous livrer ici, c'est vraiment là qu'on voit qu'on est dans un pays comment dire, démocratique à la base. Eh bien, le maire reçoit tous les premiers samedis de chaque mois, tous les premiers.